J'étais saisonnière pendant des années lorsque j'étais jeune. Et il y avait ces étés qui étaient très violents, très, très, très. Nous étions épuisés de travail, nous étions épuisés. Et je me suis souvent demandé qu'est-ce qui se passerait si tout s'embrasait. S'il n'y avait pas automne pour faire basculer. S'il n'y avait pas l'automne pour faire basculer cette montée en tension. Et je me suis dit, on va essayer de créer cette explosion, de créer cette montée jusqu'au paroxysme, jusqu'à l'éclatement de tout. Chez les travailleurs saisonniers, il y a presque autant de femmes que d'hommes. J'ai commencé mon livre, la première scène, cela se passe avec des saisonniers qui sont sans papier, des Marocains. Et ce ne seront pas les mêmes saisonniers que l'on va retrouver 10 ans plus tard. Et il est vrai qu'il y a une femme qui est seule avec ses hommes, donc c'est un hasard peut-être. C'est aussi parce que le travail est dur et qu'il n'y a pas de grande femme qui accepte de le faire, pas beaucoup de femmes qui acceptent de faire ce travail dur. Mais ça m'a permis de présenter cet univers de le travail de ces hommes et la manière dont ils sont traités. Oui, comme je disais, c'est pas particulièrement un travail d'homme. Le travail est dur, mais tout travail physique est dur. Et il était très intéressant de mettre, il est même très 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 important et indispensable de mettre des femmes au milieu d'autres hommes pour créer l'étincelle. Autrement, il n'y aurait pas l'étincelle, il n'y aurait pas la montée en tension. La nature dans ce livre est très... C'est la nature. L'hiver, il fait très froid, les étés sont brûlants, les cigales font un tintamarre extraordinaire. Et comme dit l'une des femmes à un moment, le chant des cigales, c'est peut-être le chant de l'enfer. La tension va monter parce que c'est... Oui, de par la chaleur, de par l'épuisement de chacun. Mais aussi, ces personnages sont des personnages déracinés, complètement déracinés. Donc, ils se jettent à fond dans le travail, et après ils se jettent à fond dans l'alcool ou certains dans les drogues quelconques. Et ils n'ont rien pour les canaliser, si ce n'est le travail. Ils n'ont pas une force créatrice ou une force... Oui, ce sont des déracinés. J'aime être physique dans l'écriture, j'aime parler de l'univers sensitif, de l'univers sensoriel qui nous entoure. Je ne suis pas intéressée par les idées. Je pense, j'ai envie de parler de la vie et des réalités de la vie, mais ça passe d'abord par le senti, le ressenti, le vécu et tous et les corps. Donc la langue doit aussi suivre le rythme. C'est aussi pour cela que j'ai supprimé la ponctuation dans les dialogues, pour qu'on entre immédiatement dans la... Comment dire ? Dans le vif du sujet, pour que les dialogues de ces personnages soient presque physiques aussi.